Eh bien salut à tous, ici SuperMusée63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui, réaction des stats et du gameplay du tout nouveau Ulquiorra qui va arriver demain. Encore un Ulquiorra spécialisé dans l'arène, tout simplement. Du coup, on va voir ça, est-ce que c'est intéressant? Je dirais que ça sera intéressant parce que tous les autres persos spécialisés dans l'arène, bah ils étaient excellents, du coup, pourquoi pas? Alors, le voici, le petit Ulquiorra, ok. Je pense que prochainement, on aura toutes les bannières au premier palier, bah ça. 50 orbes, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, j'aime bien. À voir si c'est bien confirmé mi-septembre, on verra bien. Mais je crois que, ouais, je crois qu'ils vont partir comme ça. Au premier palier, bah à chaque fois tu vas claquer 50 orbes au lieu de 150 au premier palier. Là, direct au premier palier 50 orbes, et ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup beaucoup d'orbes, bah voilà, ils peuvent faire une petite multi à 50 orbes. C'est plutôt cool de leur part. Du coup, c'est parti, voyons voir. Spécialisé dans les attaques puissantes rouges, ok, orienté strong au corps à corps, ok, au corps à corps, ouais, à voir, à voir. Sous le trait, attaque puissante renforcée plus 20%, ok, compétence innée à... Attends, attaque puissante renforcée plus 20%, ok, ok, on va, compétence innée, esquive 50% des dégâts des Shinigami. Ça, c'est comme le Aizen des 6 ans. C'est parfait. Franchement, c'est cool. Du coup, pourquoi pas un tueur de Shinigami, hein? Pourquoi pas? Compétence innée, chance de causer faiblesse toutes les 5 secondes. Oh, comme le Yama V2 de la guerre sanglante, il peut causer du feu. Et là, c'est de la faiblesse. Hein, pourquoi pas, franchement, ouais, pourquoi pas. Compétence innée, rapidité plus 2, ok. Dac, c'est bien pour l'arène. Nouvelle compétence d'arène, attaque puissante déchaînée plus 1, ok. Compétence d'arène, utilisation d'attaque SP augmentée plus 1, ok. Ça c'est pour l'arène. Vous me connaissez, l'arène joue pas trop. Compétence attaque puissante déchaînée plus 1, ok. Pas du plus 2, ok. Compétence équilibre, d'accord. Ok, bah, genre, personne ne peut l'interrompre, c'est plutôt pas mal. Compétence, perforation, ok, il peut traverser les... Comment dirais-je? Il peut traverser les boucliers, ok, c'est plutôt pas mal. 1134 d'endurance, bah, quand même, c'était un gros pavé quand même. 1134 d'endurance, 642 d'attaque, 358 de def, concentration 359 et pression spirituelle 815. Ok, bah, plutôt banal. Tueur, ouais, c'était sûr. Tueur de Shinigami, ok. L'un des tueurs que j'aime beaucoup. Attaque spéciale, Luzafilada. Ok, attaque avec une lame de lumière infaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Soutré, qu'est-ce qu'on a? Dégâts des attaques puissantes plus 20%. Ok. Et il est quoi comme infinité? Vert, ok. D'accord. Compétence innée, ça on a vu, oui. Ok, compétence disponible, là on aura tout... tout ce qu'on a. Attaque normale renforcée plus 20%. Attaque puissante étendue plus 20%. Plus de portée sur ses strong. Ok, c'est plutôt pas mal. Attaque puissante renforcée plus 40%. Attaque puissante déchaînée plus 1. Ça on a vu. Attaque spéciale renforcée plus 40%. Malédiction plus 5 secondes à cause de la faiblesse. Équilibre. Barrière ignorée. Bah, perforation en fait. Et temps de recharge des attaques puissantes moins 12%. Ok, du temps de recharge dans ses compétences. Ok, c'est plutôt pas mal. D'accord, et ça c'est pour l'arène, ok. Comme j'ai dit, hein, c'est un perso arène, et les persos arènes, ils sont très propres, hein. Franchement très propres. À voir les fillers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retour du Grimjoe arène, Alibel saisonnier, Renji First Battle, Rangiku saisonnier Noël, Ichigo First, Kokaku saisonnier, Ulquiorra Fierce et le petit Mugitsu qui m'échappe toujours. Et du coup, j'ai qui? J'ai 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai que 3 persos à l'intérieur. Why? Oh, c'est une première ça. D'accord. Bon, le Ulquiorra qui va arriver, je l'ai pas forcément. Le Grimjoe, je l'ai pas. Alibel, je l'ai. Rinji, je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. Rangiku, je l'ai pas. Le Ichigo First, je l'ai. Kokaku, je l'ai pas.
Ulquiorra, je l'ai. Et Mugetsu, je l'ai pas toujours. Je l'ai pas encore. Malheureusement, je l'ai pas. Et bah, du coup, c'est parti pour le gameplay. Allons-y, allons voir ça. Allez, c'est parti, le petit Ulquiorra. Wow. Wow, l'aspect, elle est magnifique. C'est quoi ce dinguerie? Ok, c'est une AOE, c'est pas un full screen. Mais grosse, grosse portée. Oh, une AOE qui rassemble et après qui les dégage. Ok. Et première strong, ok, une AOE de devant. J'allais dire un petit dash, un truc comme ça, mais non, pas du tout. Attaque combo. Plutôt propre. Wow. Eh, mais le curé, il est bon, hein. L'aspect, elle est magnifique. Je kiffe. Magnifique. Magnifique l'aspect. Rien à dire. J'aime beaucoup son gameplay par contre. Hein. Une AOE vers l'avant, mais de grosses, grosses portées. Comme vous avez pu le voir, ça touche très, très loin. Là, ça rassemble et ça dégage les mobs. Ok. Et là, une petite AOE de devant. Et il faut pas oublier qu'il a 20% de portée. Hein. Faut pas oublier. C'est très, très large. Hein. Attaque combo, bah plutôt rapide. Hein, Ah, mais il est bon, hein. Oh là 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 là. Eh, l'Ulquiorra est... Eh, j'aime beaucoup, hein. Eh, franchement, j'aime beaucoup le perso, hein. Franchement, excellent. Vraiment excellent, ce Ulquiorra. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, il est vraiment, vraiment bon. Il est extra. Vraiment extra, extra. Je kiffe. Franchement, waouh. Le gameplay, y a rien à dire. L'aspect, bah, j'aime beaucoup, c'est magnifique. Mais son gameplay, waouh. Troisième strong, c'est une AOE de grosse, grosse portée, quand même. Pas un full screen. Deuxième strong, c'est ça rassemble les mobs et ça va les dégager. Première strong, c'est une AOE qui est devant lui, comme la troisième strong. Mais la troisième strong, elle fait encore plus mal et encore plus de portée. Beaucoup plus de portée que la strong 1. La strong 1, c'est vraiment une petite portée. Mais ça va, franchement ça va. Et ouais, le Ulquiorra, bah, je valide. Et dites-vous que le Ulquiorra est premium. Bon bah écoutez, la question que vous allez me poser, est-ce que tu vas aller poule? Bah bien évidemment que non, même s'il y a 50 orbes derrière, je vais pas aller claquer, parce que c'est un perso premium, et je risque de l'avoir dans le futur, je l'espère, pas comme le Zaraki Instinct et le Mugetsu, parce que ces deux-là, depuis longtemps, ça m'échappe et ils veulent pas venir, hein, bien évidemment. Ouais, franchement, ouais, très très bon perso. Malheureusement, je vais pas aller poule, je vais garder mes orbes pour mi-septembre. On va voir ce qu'ils vont nous donner, Kelab, pour mi-septembre. On verra bien. Peut-être de l'exclusif, on verra bien. Peut-être du Safui, on sait pas. On verra bien. Mais le Ulquiorra est très 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 bon. Après, il y a à tout moment, je pourrais l'avoir dans des tickets parce que c'est un premium. Du coup, je m'inquiète pas là-dessus. Ça va tomber, mais voilà, il faut avoir de la chance pour que ça tombe comme le Mugetsu, voilà, tout simplement. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de votre part si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Lâchez vos commentaires sur ce perso là parce que franchement pour ma part il est extrêmement bon, je trouve. Et on se dit à très très bientôt sur Bijou Brassoul. Merci de m'avoir regardé et tchuss.